l'épitaphe. Quand le preux au linceul dormit dans la montagne, au bout de plusieurs mois, ceux qui vont en Espagne, en venant au tombeau, purent voir, un matin, quelques vers incrustés sur la pierre, en latin. Voici ce qu'on lisait. Ne donnez pas vos larmes aux soldats qui reposent entourés de ces armes. Ne pleurez pas ici le chevalier Roland, qui désormais habite au ciel est insolent. En vain le corps est là, couvert de sombres voiles. L'âme s'est envolée au-dessus des étoiles. La foi brillait en lui d'un éclat immortel. Comme le chandelier qu'on place sur l'autel, il repoussait au loin le schisme et l'hérésie, toutes les vanités qui viennent de l'Asie. Il fut grand par le cœur et puissant par la main. Conquérant, il se mit de bonne heure en chemin, et, courant l'univers d'un pas toujours agile, il fit régner partout le Dieu de l'Évangile. Lion par le courage, agneau par la douceur, de tous les opprimés il fut le défenseur. Partout les tyrans forgent leur dure chaîne, il accourait, terrible, et triomphait sans peine. Il disait à tous ceux qu'il délivrait ainsi, « C'est à Dieu, non à moi, qu'il faut dire merci. » Son cœur, large fontaine où toute soif s'abreuve, s'ouvrait à l'indigent, à l'enfant, à la veuve. Et, charitable à tous suivant les saintes lois, comme les mendiants, il secourait les rois. 20 ans, il accomplit ses fières entreprises. Il parcourait la terre en songeant aux églises, et, quand il revenait d'un voyage lointain, c'est toujours à l'autel qu'il porte son butin. Il dotait les couvents des moines ou des vierges. Autour de la Madone, il allumait des cierges. Il offrait au Très-Haut tous les dons d'ici-bas. Ô, vous tous qui passez, ne le pleurez donc pas. Vertu, gloire, bonté, valeur à qui tout cède, ce n'est pas ce tombeau, c'est Dieu qui le possède. Voilà ce qu'il disait aux pèlerins surpris, ces mots sur le tombeau. Qui les avait écrits? Sur ces rochers perdus au plus haut de la terre, quelle main les grava? C'était là le mystère. Plus tard, un chevrier vêtu d'une humble peau raconta qu'une nuit, seul, gardant son troupeau, il avait vu de loin une étrange merveille. Pendant qu'il était là, sans nuire de sa veille, une grande lumière avait blanchi le ciel. Le pâtre avait alors vu l'ange Gabriel descendre de la nue et, penché sur la pierre, écrire l'épitaphe en lettres de lumière.